Vous voyez déjà le ciel s'anime, différents Abbas nous rejoignent. On vous les présentera au fur et à mesure de leur venue. Les plus nombreux, ce seront les mille en noir, qui font penser aux plumes que se mettaient les secrétaires des hommes de loi d'antan derrière les oreilles. Voilà un oiseau très original qui passionne les hommes depuis des siècles, excellent marcheur, vous l'aurez remarqué, c'est au niveau du sol qu'il trouve ses proies favorites, comme son premier nom le dit, serpentaire, ce sont exclusivement des reptiles à plus de 60%, et des reptiles parfois fort dangereux, tel celui qu'on va lui proposer maintenant face à vous. Regardez bien, une proie apparaît, et le serpentaire tout de suite l'a repéré et il attaque. Il attaque et il vise essentiellement la tête, le crâne du serpent. Il le sait, le danger vient de là, il n'est pas immunisé contre le venin de sa victime. Ah, des coups puissants, hein. On dit qu'ils peuvent pleuvoir à près de 60 km/h. Ce fantastique boxeur ne laisse aucune chance à ses proies. Fort, et les proies en général dans l'aide de son bec ou de ses pattes. Il est donc obligé d'utiliser les outils. Ici, ce sont le caillou. À la large voilure blanche, frangée de noir à la queue rousse. Le Milan Royal également, très élégant, vient de se poser sur le point du dresseur. C'est le plus coloré, celui-ci. On n'aura pas ce repère. Hein. Il a une queue rousse largement échancrée. Deux taches blanches sous les ailes. Un oiseau, malheureusement, qui se fait rare dans nombreux pays d'Europe aujourd'hui. Voici la buse augure qui est venue se poser sur le point du dresseur. Surtout, ne laissez pas les enfants debout. Voilà, évitez également de vous déplacer sur la trajectoire de nos oiseaux. Lorsqu'ils ont une direction, il leur est très très difficile de pouvoir l'infléchir. Un oiseau puissamment armé, il a près de 250 kg de pression en centimètres carrés. Un plumage, vous l'aurez remarqué, très hermétique. Et ce qui le démarque nettement des chouettes sur sa tête, ce sont ces deux sortes de petites oreilles. Ce ne sont pas ses oreilles, ce sont des plumes décoratives que l'on appelle les aigrettes. Et elles sont l'apanage des hiboux, les chouettes n'en ont pas. C'est ainsi qu'on différencie évidemment les deux espèces. Bon, leur petit tour d'honneur, on va proposer dans un instant à des jeunes courageux de venir une dernière fois porter nos paniers d'osier. Nos perruches devraient venir qui représenter. Toi, Salda, première à Boulogne-Kit. Nos perruches sont en train de se retrouver, de se réunir une dernière fois. Et à l'instant même, vous venez de l'entendre, une cloche vient de résonner. Elle annonce le retour de tous les perroquets. Ara bleu, ara rouge, perroquet, les Dugamons, Cacatoès aux Albins, Intectus, ils vont tous maintenant retourner vers l'intérieur du château. Et ce sont ces oiseaux extrêmement lumineux, extrêmement sociables, extrêmement intelligents, les perroquets, qui par leur retour marquent la fin de ce spectacle. On vous remercie tous de votre visite. On remercie bien sûr les oiseaux, les dresseurs.